bienvenue. Je suis vraiment très très heureuse de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce sujet qui est quand même peu commun, qui est le rat sauvage. Je me présente, j'ai créé l'association Sminteus il y a de ça un an, en plein milieu, enfin même au tout début du premier confinement, ce qui a fait qu'en réalité nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de pouvoir aller sur le terrain et faire des choses. On s'est contenté pour beaucoup en fait d'écrire des articles informatifs, de publier des livrets d'informations, de faire énormément de pédagogie autour de cet animal parce qu'il en a vraiment besoin. Et donc je remercie énormément la LPO parce que c'est la première action sur le terrain qu'on arrive à mener et c'est un grand honneur. Ceci est donc le thème que nous allons aborder avec les différentes parties. La partie 1, donc, qu'est-ce qu'un rat? C'est une question qui a l'air très facile comme ça, mais qui est un petit peu plus pointue que ce qu'on peut penser. Ensuite, bien sûr, les origines du rat, la biologie et la reproduction, le comportement, et ensuite, le rat et l'humain. Parfait. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un rat? Alors voilà, là nous avons 6 photos de 6 animaux, de 6 espèces qu'on appelle des rats, entre guillemets. En premier, le rat des moissons, le rat brun, le rat musqué, le rat de Gambie, le rat palmiste et le rat noir. Le jeu consiste à savoir qui est réellement, parmi ces 6 espèces, un rat. Alors, avez-vous des idées? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et ensuite, diapo suivante pour les réponses. Alors, il y a Anne-Marie Bélier qui nous propose un petit rongeur. Oui, certes. Je suis plutôt d'accord avec ça, si je peux me permettre. On a un rat des moissons et un brun et noir. Est-ce qu'on passe aux réponses? C'est vous qui me dites. Ben, diapo suivante. Allez. Ah et voilà. Alors là, vous avez les réponses. En l'occurrence, le rat des moissons est le seul de son espèce. Il est du genre Micromys. Le rat musqué est un chrysétidé, ce qui fait qu'en réalité, il est de la même famille que le hamster et pas le rat. Le rat de Gambie est un chrysétum, c'est ce qu'on appelle le chrysétum des savanes. Et le rat palmiste, en réalité, est plus proche de l'écureuil que du rat. Le rat noir et le rat brun sont deux espèces de rats. En France métropolitaine, nous avons deux espèces de genre ratus, le ratus ratus et le ratus norvegicus. Ce sont les deux espèces de rats les plus courantes dans le monde, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut noter par exemple le troisième plus courant, qui se nomme le ratus exulans, c'est le rat polynésien, ou encore le ratus turkestanicus. Les points communs du genre ratus sont d'une part les origines, ils viennent tous d'Asie, leur régime alimentaire, ils sont omnivores opportunistes, ce sont des rongeurs, donc avec la dentition que cela suppose. Et le ratus ratus et le ratus norvegicus ont, entre autres, la particularité d'être commensaux des humains, ce qui signifie qu'ils vivent en association avec l'homme et qu'ils profitent de leurs déchets. Voici donc des ratus norvegicus. Il a, dans le langage populaire, plusieurs noms. On l'appelle le rat d'égout, le rat des villes, le surmulot ou encore le rat brun. C'est donc le plus gros et aussi le plus courant des deux. Typiquement, c'est celui que vous allez voir fureter dans les rues le soir qui passe. Il a aussi la particularité d'être le père du rat domestique. Tous les rats domestiques descendent de lui. Alors, on constatera qu'au niveau physique, la queue est plus courte que le corps, les oreilles sont plus petites et il est toujours de poil agouti. Donc, la couleur que vous voyez là est la seule et unique couleur que vous pourrez trouver sur un rat sauvage. C'est une donnée qui est très importante parce que si vous voyez dans la rue un rat qui n'est pas de cette couleur, qui a un marquage blanc ou qui est noir, n'importe aux yeux rouges, ce n'est pas un rat sauvage. C'est forcément un rat domestique qui a besoin d'être aidé parce qu'évidemment, aucun animal domestique ne peut survivre dans la nature. Voilà un ratus ratus. Parmi les noms vernaculaires qu'on lui donne, on peut le nommer rat noir, rat des champs ou encore rat nédinvier, ce qui donne en anglais sheep rat. Il est plus petit que son cousin des villes. Il a une queue qui est plus longue que le corps, on le voit bien sur la photo, et il a de grandes oreilles. En France, on le trouve aussi de couleur agoutie, mais il faut se dire qu'il a la particularité d'avoir plusieurs sous-espèces différentes, et parmi ces sous-espèces, on peut le trouver noir. C'est le cas par exemple en Inde. En Inde, dans les temples, particulièrement le temple de Deshnok qui est très célèbre parce qu'il est rempli de rats, ils sont tous noirs. C'est ce qu'on appelle un ratus ratus ratus.
Au niveau du poil, donc là sur la photo, il est agouti. L'agouti, c'est une couleur qui est assez particulière et qui peut être intéressante de l'expliquer. En fait, c'est une couleur qui présente ce qu'on appelle un ticking, c'est-à-dire que le poil est brun à sa base, il est gris au centre et noir sur sa pointe. Ce qui fait que selon l'œil de l'observateur, parfois on pourra entendre « Oh, j'ai vu un rat gris » ou « Parfois j'ai vu un rat marron » ou « Parfois j'ai vu un rat noir ». Ça va dépendre à la fois de l'œil de l'observateur et de la luminosité. Mais dans tous les cas, c'est la couleur qu'on appelle agouti. C'est le meilleur comparatif qu'on peut trouver sur ces deux espèces-là. Il vient de Wikipédia. Je pense qu'il est assez explicite. On voit les différences de queue, de silhouette, d'oreille, d'yeux et de museau. Je pense que c'était toujours utile de le mettre. Ça permet d'avoir une idée assez précise. La classification. Donc, embranchement vertébré, classe mammifère, l'ordre les rongeurs, sous-ordre myomorphe, famille Muridae, sous-famille Murinae, et les espèces, donc particulièrement celles qui nous intéressent, Rattus rattus, Rattus norvegicus. Merci. Donc les Muridés, c'est une famille qui date de 26 à 38 millions d'années, c'est-à-dire dans l'époque géologique qu'on appelle l'Oligocène. C'est une très vieille famille. Les Murinées, elles, par exemple, c'est une famille qui comprend, une sous-famille, pardon, qui comprend à peu près 500 espèces et ils sont tous originaires d'Asie du Sud. Donc les Rattus, eux, sont une espèce, il y en a 61 dans le monde. Donc le Rattus rattus qu'on voit, le Rattus norvegicus, l'Exulane, le Turkestanicus, voilà. Ce qui est une espèce, c'est la particularité des individus à descendre de mêmes ancêtres, à être capables de se reproduire ensemble et donner une descendance qui soit fertile. Et bien sûr, posséder les caractéristiques qui sont issues de leur population d'origine. Ce qui fait qu'en fait, ils doivent tous se ressembler. Les origines du rat. Alors, officiellement, le rat va rentrer en Europe au XVIIIe siècle. Cependant, on a pu constater que les naturalistes avaient déjà commencé à classer et à décrire les différentes espèces de rats dès le XVIIe. Donc, on peut déjà se dire que la date donnée n'est pas tout à fait exacte. Le rat aurait commencé plutôt son implantation en Europe, et ce, dès le Moyen Âge, de manière sporadique au début, en étant transporté par les voies maritimes et les voies terrestres. Et les découvertes archéologiques peuvent montrer qu'il a en fait suivi particulièrement, il a longé les côtes, donc par maritime, et aussi il est passé par les voies romaines. Au Moyen Âge, certaines voies romaines, pas toutes, certaines étaient encore utilisées. Et le rat en fait a profité de ces chemins, de ces voies humaines, pour pouvoir commencer à se disperser en Europe. L'expansion se fait réellement à partir du XIe siècle, et aujourd'hui, le rat brun est présent sur l'ensemble du globe, sauf en Antarctique. Voilà, une petite carte qui est donc issue d'une étude qui est menée par Frédéric Andouin-Rouzeau et Jean-Denis Vigne. Elle permet de voir en fait les déplacements du rat noir. Donc sur la carte, vous voyez les déplacements avérés du rat noir sont représentés par les petits carrés noirs. Les voies romaines sont les lignes en pointillés. Et donc vous pouvez voir qu'effectivement, l'avancée du rat noir suit très largement les côtes et les voies romaines. Et toutes les grandes plages de couleurs que vous avez, ça représente les expansions, les poussées de peste. Oui, ça va avec. Donc voilà, ça donne une image de l'avancée. Passons sur les trucs un peu moins rigolos, la biologie, des chiffres, des chiffres et des chiffres. Une femelle d'un rat brun pèse environ 250 à 350 grammes et un mâle entre 450 et 600 grammes. Bien sûr, c'est une moyenne, hein. La longueur du corps est de 20 à 30 cm, la longueur de la queue 17 à 23 cm, la fréquence respiratoire de 70 à 145 mouvements minutes, la fréquence cardiaque de 250 à 495 battements minutes, la température corporelle entre 35,9 et 37,5, et le nombre de chromosomes chez le rat brun est toujours le même, c'est-à-dire 42. Par contre, ce n'est pas tout à fait la même chose avec le rat noir. Donc le rat noir mâle adulte pèse déjà, lui, à peu près 300 grammes. Là, sur cette photo, on voit à gauche un rat domestique, donc un Rattus norvegicus mâle adulte. Et à côté, c'est un rat noir sauvage qui est d'un âge équivalent. Et on voit très très bien en fait la différence de gabarit que ça suppose. Concernant les chromosomes, on peut observer une différence aussi, c'est-à-dire que le rat brun, lui, a 42 chromosomes, mais le rat noir, ça va dépendre de ses sous-espèces. On a pu observer des sous-espèces de rat noir avec 38 chromosomes, 40, voire même 42.
La reproduction. Donc, si elle a lieu toute l'année pour le rat brun, elle ne se fait qu'en été et en automne pour le rat noir. Les chaleurs de la femelle se déroulent en moyenne tous les 5 jours. Les saillies durent les chaleurs durent une douzaine d'heures. Les saillies peuvent être extrêmement rapides et fécondantes extrêmement rapidement pour donner en moyenne, sur une gestation de 21-23 jours, 8 à 12 bébés chez un rat brun et 2 à 6 chez un rat noir. Le rat noir a la particularité de porter ses bébés bien plus haut que le rat brun pour une question d'équilibre et nous verrons pourquoi plus tard. Les bébés naissent en étant nidicoles. Chez le rat noir, il y a une particularité qui est assez intéressante. Autant un rat brun, on met un mâle et une femelle ensemble, tout se passe bien. Ça marche tout seul. Le rat noir, lui, il va avoir besoin, la femelle rat noir va avoir besoin d'une stimulation sexuelle. Et pour ça, elle va avoir besoin qu'il y ait plusieurs prétendants à sa poursuite. Donc, dans les essais qui ont été faits de reproduction en étant encadrés de rats noirs, on s'est retrouvé en mettant simplement en couple ensemble et ça ne fonctionnait jamais. Tout simplement parce qu'il y a toujours besoin de plusieurs mâles pour courir derrière la même femelle. Merci. Et voilà ce que c'est que des bébés nidicoles. C'est mignon, hein? Donc, ce sont des bébés de rats bruns. Ils naissent toujours comme ça, nus, aveugles et sourds, et complètement dépendants de leur mère. Ils ne peuvent pas réguler leur température tout seuls, et ils ne peuvent pas non plus lancer le processus de défécation. Ils ne peuvent pas non plus uriner tout seuls. En fait, pour cela, la mère va masser la zone urogénitale ou la lécher pour pouvoir leur permettre de faire leurs besoins, sinon ils en sont tout à fait incapables. Une petite anecdote rigolote, c'est qu'à cet âge-là, la peau est tellement fine sur le bébé qu'on peut voir le lait dans le ventre, en fait. Si on retourne le raton du côté gauche, eh bien, on apercevra une tache blanche qui est en fait tout simplement le lait dans son ventre. La question de l'hybridation. Donc, autrement dit, est-ce que si on met un rat noir mâle et une rate brune femelle ensemble, est-ce que nous aurons des bébés? Alors, déjà, on a vu que ce sont deux espèces différentes et que ce qu'on suppose être une espèce, ce sont des individus qui sont capables de se reproduire ensemble de manière efficace et surtout en donnant des descendants fertiles. Et on a vu que, déjà, on est sur deux espèces différentes. Ensuite, nous avons une différence de karyotype, ce qui signifie que, autant pour le rat brun, on a bien 42 chromosomes, autant pour le rat noir, ça va dépendre de l'origine de la sous-espèce que l'on prend. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les scientifiques ont essayé de faire reproduire ces deux espèces pour essayer d'avoir des ratons hybrides, les embryons se sont développés normalement jusqu'au septième jour, puis ils ont commencé à une dégénérescence en fait dans leur évolution, qui fait qu'entre à peu près aux environs de 15 jours, entre 11 et 15 jours, en fait, les bébés meurent complètement in utero. Le comportement. Alors là, je ne vous cache pas que c'est ma partie préférée, c'est passionnant. On peut commencer par le comportement général et le comportement du rat brun que l'on connaît beaucoup mieux à ce niveau, qui consiste en une organisation sociale stratifiée avec des dominants et des dominés. La hiérarchie va s'apprendre très tôt chez un jeune rat sauvage. À partir de 3 semaines environ, il aura une idée de quelle est sa place et de comment ça fonctionne. Ça s'apprend vite. Le groupe social, donc, a ses dominants et ses dominés, et chaque rat va traiter ceux de sa caste de la même manière, c'est-à-dire qu'un dominant va traiter tous les dominants de manière égalitaire et un dominé tous les dominés de manière égalitaire. On pourrait imaginer que les dominants sont des vrais tyrans qui vont poursuivre tous les rats qui sont en dessous d'eux pour les mordre. Ce n'est vraiment pas la réalité. Ce qu'on a pu observer dans les faits, c'est que ce qu'on appelle un comportement agonistique, donc c'est un comportement agressif, en fait, un comportement de rivalité. Moins de 5% des comportements rivaux, des bagarres, des disputes, se font de dominants sur les dominés. En réalité, ce sont plutôt les dominés eux-mêmes qui se disputent entre eux. Sinon, ce que je peux vous dire, oui, ce qui est intéressant de savoir, c'est que un niveau social élevé dans le groupe est corrélé aussi à un poids et une croissance exponentielle. C'est-à-dire que normalement, dans un groupe, plus le rat est gros et plus il grandit vite, en fait, plus son statut social sera élevé. Les dominants sont aussi ceux qui sont privilégiés. En matière de reproduction, une femelle va préférer un dominant et à l'inverse, un mâle va préférer une dominante. Ce qui est tout à fait logique dans un comportement de survie, puisque le but étant de perpétuer l'espèce, on va choisir les plus forts. La toilette, ça c'est très sympa.
On entend toujours dire que le rat est un animal très sale, dégoûtant, et c'est pas vrai du tout. En fait, c'est nous qui sommes sales. Lui, il est propre. Le rat va passer sur son temps d'éveil, c'est-à-dire le temps où il ne dort pas, 40% de son temps à se nettoyer. Se nettoyer, se nettoyer, se nettoyer, se nettoyer, encore et toujours. Il va, en fait, le rituel va toujours être le même. Généralement, il est initié par les dominants. C'est eux qui se réveillent, qui disent « Bon, alors c'est l'heure de la toilette » et tout le monde va suivre le mouvement. La toilette va commencer par le rat qui va s'asseoir sur ses pattes arrière. Il va commencer par courber le dos. Il se lave les pattes avant. Ensuite, il passe sur le visage. Il passe sur le dos, les flancs, les parties intimes et ensuite la queue en troisième ordre. Le rat noir a certaines spécificités qu'on ne retrouve pas chez le rat brun et qui sont vraiment intéressantes. Déjà, tout d'abord, il vit dans les hauteurs. Autant un rat brun, lui, vit au sol et crée des terriers, autant un rat noir, lui, il va préférer plutôt les hauteurs, type dans les arbres, sous les toits, dans les granges. Il ne pratique pas une particularité qu'on appelle du tigmotactisme. Alors, c'est en fait c'est la particularité qu'ont les rats bruns à longer les murs. Quand vous voyez un rat, il est très rare, à part s'il a besoin de fuir, que vous voyez un rat passer n'importe où, en plein milieu de nulle part, comme ça. Le rat, lui, va préférer longer les trottoirs, les murs, tout obstacle en fait. Il va se servir pour ça de ses vibrisses, c'est-à-dire de ses moustaches. Et il va toujours veiller à ce que ses moustaches suivent un côté. En fait, c'est un moyen de défense contre les prédateurs. Le rat noir, lui, n'a pas ce genre de comportement. Ça traverse partout, tout le temps, probablement dû au fait qu'ils vivent dans les hauteurs. Donc, ils n'ont pas les mêmes rapports à l'espace. Et donc, de fait, le rat noir est aussi un excellent grimpeur. Il fait du pain. Le rat noir, en fait, a cette particularité assez intéressante qu'ont les chats. C'est-à-dire que pour montrer leur affection, ou alors tout simplement pour la parade amoureuse, il va malaxer avec ses pattes avant son congénère pour pouvoir lui démontrer son affection. C'est très mignon, mais ça ne plaît pas toujours aux rats bruns, ils ne s'entendent pas très bien de ce côté-là, et ce n'est pas du tout un comportement que le rat brun peut tolérer. Le terrier. Alors on en a parlé, le rat brun, ça construit des terriers. C'est une donnée assez intéressante parce que le terrier est un système extrêmement complexe. Donc, la construction d'un terrier va être initiée par la première femelle gestante d'une colonie. Donc, la première femelle qui va attendre les petits va commencer à creuser. Elle va creuser la première cavité de nid pour pouvoir y faire naître sa portée, tout simplement. Ensuite, de là, un tronçon va être créé et ce tronçon va mener à la première réserve de nourriture. On va continuer le tronçon et on va faire la seconde sortie du terrier. Un terrier a toujours entre 8 à 15 sorties. Et de là, en fait, le terrier va évoluer selon un système extensif en fonction des besoins de la colonie. Il peut y avoir beaucoup de chambres et beaucoup de tronçons en fonction de la taille des membres et de leur efficacité. Il faut savoir une chose assez intéressante, c'est que la structure d'un terrier et la structure sociale d'une colonie sont extrêmement liées. C'est-à-dire que quand une colonie est stable d'un point de vue hiérarchique, le terrier sera stable, sera bien entretenu et sera grand. Quand on est sur une colonie qui a des problèmes de sociabilité ou qui a des problèmes hiérarchiques qui est instable, le terrier aura tendance à avoir des parties qui seront laissées à l'abandon, qui vont s'effondrer. Et le terrier, en fait, ne sera pas correctement organisé et ne sera pas non plus correctement interconnecté. C'est-à-dire que les différentes parties du terrier n'arriveront pas à communiquer correctement et à s'entendre sur la suite à donner. Voilà un schéma qui a été produit par l'étude de Kalun, qui est une étude excellente, géniale sur le rat sauvage, qui a permis de vraiment beaucoup mieux le comprendre. Kalun a, pour son étude, enfermé des colonies de rats sauvages dans un très très grand enclos. Le but du jeu était de donner à l'enclos l'aspect de la vie sauvage, mais sans prédateurs et avec de l'eau et de la nourriture en abondance, ce qui a permis d'obtenir des informations extrêmement intéressantes sur la manière dont ils vivent. Et il a produit, entre autres, ce schéma. Donc, je voulais coloriser pour que ce soit un peu plus lisible. En rose, nous avons les points roses sont des nids, des cavités de nids, et en vert, ce sont des cavités alimentaires. Ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Sachant que ce terrier-là, de cette colonie, parce que dans cet enclos qui était tellement grand, il y avait plusieurs colonies,
Celui-ci a la particularité que le terrier, lors de son creusage, a touché le bord de l'enclos. Et le bord s'étendait aussi bien sur la surface qu'en dessous, bien sûr, pour pas que les rats s'enfuient. Et donc, lors du creusage du terrier, ça a touché le bord de l'enclos. Et donc, les rats ont continué les tronçons en suivant le bord de l'enclos. Et il s'est retrouvé que la connexion se faisait mal et que certaines parties du terrier se sont retrouvées à être trop loin du centre, trop loin de l'épicentre. Et il est arrivé ce que je disais juste avant. Comme les connexions et les relations sociales se faisaient mal, le terrier a commencé à dégénérer. Toutes les parties qui étaient trop éloignées ont commencé à s'effondrer et y ont été reléguées uniquement en fait les rats les plus dominés du groupe qui se sont retrouvés dans les parties qui étaient laissées quasiment à l'abandon. Les anecdotes. Alors c'est très sympa. C'est un animal qui a été très étudié. Parfois de manière extrêmement cruelle et barbare, mais qui ça nous permet de mieux le comprendre et surtout de pouvoir se rapprocher de lui d'une certaine manière. Par exemple, on sait maintenant que les rats rêvent, que les rats ressentent l'orgasme, que les rats ont de la compassion, que les rats s'entraident entre eux. Ils ont une intelligence sociale qui est extrêmement développée. Et c'est un bonheur de les étudier. Moi, je suis fan. Alors, autant vous dire que. Par exemple, pour vous donner un exemple, Franz De Waal, qui était un psychologue, un primatologue et un éthologue allemand, a fait une étude dans laquelle il avait deux groupes de rats. Et pour se nourrir, les rats devaient actionner un levier. Donc, cela leur a été préalablement appris. Ils actionnaient le levier, la nourriture tombait. Sauf que dès qu'un rat actionnait le levier dans un groupe, un rat de l'autre groupe subissait une électrocution. Eh bien, au bout d'un moment, ce chercheur, Franz De Waal, a remarqué que les rats ne se nourrissaient plus. Plutôt que de risquer de faire souffrir, quand ils ont compris la corrélation, plutôt que de faire souffrir un congénère, ils ont décidé d'arrêter de s'alimenter et ils n'ont plus actionné le levier. Ça peut montrer à quel point les rats sont intelligents. On peut en présenter une autre, ce sont des groupes de deux rats qui ont été formés. Un était enfermé dans un cylindre et un était en liberté. On proposait à celui en liberté deux choix, toujours en actionnant des leviers. Le premier levier donnait du chocolat et le deuxième levier permettait de libérer le congénère enfermé. On a pu constater que dans la grande majorité des cas, le rat préférera toujours libérer son congénère plutôt que d'avoir une récompense en termes de nourriture. On en a découvert beaucoup comme ça, le regret, la réciprocité des services, l'espoir, la capacité de se projeter dans l'avenir notamment. Le rat et l'humain. Alors ça, c'est le dernier thème de notre conférence et elle va s'appliquer à déterminer les relations qu'entretiennent le rat et l'homme. Ce n'est pas chose facile, c'est une relation ambiguë. Le rat est notre commensal, pardon. Donc, il est à nos côtés. Il est tout le temps là, près de nous, et pourtant nous le détestons. On le chasse, on le tue, on a trouvé les manières les plus hallucinantes pour essayer de l'éradiquer. Les répercussions de cette chasse aux rats, en fait, a eu des répercussions qui ont été importantes. Dans les années 30 à 40, par exemple, aux États-Unis, on a commencé à utiliser du gaz moutarde et on le pulvérisait dans les airs par avion. Donc, l'État s'est mis à faire ça, y compris sur les régions agricoles, partout, ils balançaient du gaz moutarde pour tuer les rats. Un autre exemple, dans les années 70, on utilisait du DDT, qui est oui, certes, ça tue les rats, mais c'est aussi un polluant massif de l'environnement. Et le DDT a la particularité, en plus de rester très longtemps, il est très durable dans l'environnement. Donc, on a pollué notre environnement pour chasser le rat. Et de cette manière, maintenant on utilise des raticides qui sont des anticoagulants pour la plupart, hein, comme la strychnine. Pour les fans d'Agatha Christie, reconnaîtront ce qu'est la strychnine. C'est très dangereux. Et des milliers d'enfants, plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont blessés ou tués tous les ans dans le monde par un produit destiné à tuer des rats. Par exemple, aux États-Unis, rien que là, on peut compter en moyenne 12 000 accidents par an. Le rat est nuisible. C'est ce qu'on vous dira partout. Le premier chef d'accusation qu'on va lui porter va concerner les maladies. Alors, ce n'est pas le rat qui transmet la peste. C'est plus précisément une puce qu'il porte.
Et la peste est une anthropozoonose, c'est-à-dire que la puce, en réalité, l'homme peut la porter, mais aussi le chat, l'écureuil, le rat, énormément d'animaux. Ce n'est pas spécifique au rat. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, le rat, on ne va pas se nier, transporte des maladies. Notamment, on peut parler de la leptospirose, qui, dans sa forme critique, dans sa forme aiguë, s'appelle la maladie de Weil. Elle peut devenir forme aiguë dans à peu près 10% des contaminations. Le rat est l'animal réservoir pour ce qu'on appelle de sérovar. L'animal réservoir, ça signifie qu'en fait, il est le porteur privilégié de cette maladie, mais lui n'en souffre pas. Il n'en a pas les symptômes. Il est porteur sain. Et donc, il est réservoir pour deux sérovars de cette maladie, Ictère hemorrhagiae et Copenhagueni, qui sont de fait les deux formes de leptospirose qui sont aussi les plus dangereuses pour l'homme. En 2014, des chercheurs de l'Université de Columbia ont capturé 133 rats dans les égouts de New York. Et là, ils ont eu la petite surprise de découvrir que les rats portaient 18 virus sur eux, 18 virus complètement inconnus de la science, en plus des dizaines de virus qui étaient déjà connus. Effectivement, il est tout à fait déconseillé, vraiment déconseillé, de manipuler un rat sauvage. Même en portant des gants, c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas. Via les maladies d'une part, mais aussi parce que l'air de rien, les rats, c'est capable de percer du métal, de faire des trous dans du métal. Et donc, imaginez, si jamais ils vous mordent, vous allez souffrir, vraiment. D'autant plus que les morsures sont rarement propres et que, bien sûr, ça peut s'infecter et ça peut avoir des conséquences désastreuses. On ne manipule pas un rat sauvage. Ça, c'est totalement contre-productif pour vous. Cependant, il faut savoir raison garder. L'INRS ne recommande pas de prophylaxie antibiotique systématique quand il y a des rats chez vous. C'est-à-dire que si vous avez un rat dans votre maison, ne vous inquiétez pas, vous n'attraperez pas la leptospirose pour autant. Il faut veiller quand même à certaines choses. Mettez vos aliments en sécurité dans des boîtes hermétiques. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir si jamais vous croisez un rat sauvage chez vous. Parce que le rat entre dans les habitations. Et ça, c'est un fait. On l'a vu, il est commensal, donc il est partout. Une petite anecdote cependant, les rats sont feignants. C'est-à-dire que s'ils ont la possibilité de manière aisée d'entrer dans une maison par une fissure ou par un trou, il ira. Mais s'il n'y a pas de trou à disposition, il ira voir ailleurs. Les rats ont 24 fois plus de chances d'être présents dans un local qui n'est pas correctement fermé. Donc, si vous avez un problème d'invasion de rats chez vous, la première chose à faire, c'est de commencer par calfeutrer les trous et par entretenir votre maison. Ils se reproduisent trop vite. Alors, ça, c'est une partie intéressante. Les rats ont choisi la fertilité plutôt que la longévité individuelle. C'est-à-dire que, dans les faits, 5% des rats seulement atteignent leur premier anniversaire, leur 1 an. 5%. Du coup, sa reproduction est quelque chose d'important. Selon ce que les scientifiques ont dit, il existe des espèces à stratégie R et des espèces à stratégie K, en fait, tout simplement. Les espèces à stratégie K ont la durée de vie longue et donc forcément la reproduction longue aussi. Faible et tardive, diront. Et la stratégie R, ce sera la reproduction prolifique pour des individus à la longévité plutôt courte. Donc le rat a évidemment une stratégie R. Malgré cela, la reproduction du rat n'est pas quelque chose d'anarchique. C'est-à-dire qu'on imagine trop souvent que le rat va se reproduire à outrance et qu'il y en aura partout. On voit souvent sur les pubs de dératiseurs, vous avez deux rats, d'ici 1 an, vous en aurez 250 000. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qu'on a pu constater à force d'observation, c'est que le rat contrôle sa reproduction en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, d'une part, il y a la place, donc en termes de territoire, mais il y a aussi les paramètres d'eau et de nourriture. Hein, les rats, s'ils n'ont pas suffisamment de quoi nourrir leur colonie, vont arrêter de se reproduire. Et on peut aller même plus loin, en fait, que ça. C'est que le rat, au bout d'un moment, même s'il a eau et nourriture en abondance, au bout d'un moment, la colonie va atteindre ce qu'on appelle l'asymptote de la courbe de croissance. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans une colonie, même s'il y a de l'eau en abondance, de la nourriture, de l'espace, pas de prédateurs, tout se passe bien, il y a toujours un moment où la colonie va se dire, bon, ça suffit, on est trop nombreux, on arrête là. Donc, on n'est pas du tout sur une reproduction anarchique. Et enfin, le dernier argument, c'est que le rat est inutile.
Alors déjà, d'une part, c'est un argument fallacieux. Aucun animal n'a à être jugé en fonction d'une utilité par rapport à nous. Mais en plus, c'est faux. C'est-à-dire que d'une part, le rat est utile pour la biodiversité. Il faut se dire que un renard lui-même mange plusieurs milliers de rongeurs par an, un seul renard. Qu'en plus de ça, certaines espèces de rapaces en ont fait leur repas à plus de 40%. Donc il permet la survie d'autres espèces. Mais en plus de ça, il est utile directement pour nous. Parce que l'air de rien, les rats parisiens, ils mangent 800 tonnes d'ordures par jour. Donc en fait, s'il n'y avait pas le rat, on croulerait littéralement sous nos merdes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le rat doit-il être régulé? C'est un point intéressant. Donc, on sait que moins de 5% des rats atteignent l'âge de 1 an, ce qui fait que, bon, déjà, on a une espérance de vie courte. Et l'expérience de Kaloun qui a été faite dans l'enclos avait la particularité de pouvoir donner des informations intéressantes sur la longévité du rat sans prédateur et avec des ressources en abondance. Et Kaloun a pu constater que même sans ses prédateurs et avec toutes ses ressources, les rats ne vivaient guère plus de 18 mois. Donc en 1 an et demi, un rat, il a, entre guillemets, il a fait son office, quoi, hein. Du coup, les méthodes de régulation qu'on a actuellement sont obsolètes. Déjà d'une part parce qu'elles ne sont pas écologiques. Elles ne sont pas efficaces parce que les rats s'adaptent très vite. Donc on crée un poison, le rat s'y adapte, on crée un poison plus fort, le rat s'y adapte, on crée un poison, ça n'a pas de sens et c'est un cycle qui est infini. Mais en plus, elles sont non sélectives. C'est-à-dire que quand vous mettez du raticide dehors, vous risquez tout aussi bien d'empoisonner un rat que d'empoisonner le chien du voisin, un renard, une buse. Donc ce ne sont pas des choses qui sont vraiment à privilégier. En sachant que après un empoisonnement, le rétablissement de la population à sa valeur d'origine ne prend que entre 15 et 44 mois. Ça signifie que non seulement ce sont des méthodes qui sont défectueuses, mais en plus il faut les renouveler souvent. Il y a d'autres méthodes. Alors, l'entreprise qui s'appelle Senestech aux États-Unis a développé un produit qu'on appelle le Contrapeste. Et ce produit a la particularité, c'est un liquide qui est très appétant, donc le rat va le boire avec plaisir, et il a la particularité de stériliser les rats sans avoir d'effet secondaire. Donc le rat n'en souffrira pas, c'est juste qu'il ne pourra plus se reproduire. Malheureusement, le produit n'est pas disponible en Europe, en tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu de l'être. Il a des effets qui sont excellents par contre aux États-Unis. Et donc il y a aussi ce qu'on appelle la LAI. Donc la LAI, c'est la lutte antiparasitaire intégrée. C'est une méthode en fait qui prône la responsabilisation de l'être humain. C'est-à-dire que tout simplement, si le rat prolifère en mangeant nos déchets, la première chose qu'on a à faire, c'est tout simplement par arrêter de gaspiller et gérer correctement nos déchets. Donc ne pas en jeter partout, utiliser des poubelles fermées. Et tout simplement, par ce simple système, la population de rats va naturellement décroître. Un petit point pour ce qui est advenu du rat. Le rat a servi à autre chose. Il est devenu le rat domestique. C'est un animal qui ne nécessite aucune autorisation particulière pour sa détention et qui a été obtenu via sélection à partir du Rattus norvegicus. On peut le trouver sous énormément de couleurs, de marquages, type d'oreille, type de poil. On peut avoir des couleurs comme champagne, topaze, bleu. Les débuts de la domestication du rat est arrivé sous une forme de loisir, c'est-à-dire que environ au 19e siècle en Europe, particulièrement les Anglais, se sont pris d'un jeu très étrange qui consistait en fait à mettre un chien dans une arène avec des rats et de voir combien ce chien pouvait tuer de rats dans un temps écoulé. Et ça marchait très très bien. Il y avait beaucoup de paris là-dessus, si bien que les promoteurs ont commencé à se dire que capturer des rats pour ça commençait à devenir un peu fatigant, sachant qu'il y avait chaque chien tué des centaines de rats. C'était compliqué de devoir capturer des rats tout le temps pour fournir ce qu'on appelait des rats de pit. Et donc, ils se sont dit, bon, on ne va pas se casser la nénette, hein, on va les élever. Et on suppose que c'est l'obtention de couleurs, particulièrement probablement d'individus albinos, qui aurait poussé ces promoteurs peut-être à se lancer dans l'élevage d'agrément. De là, certains chercheurs ont commencé à travailler sur le rat, sur son élevage, à prendre des données dessus. Et effectivement, connaître un peu mieux le rat domestique nous permet aussi de mieux comprendre de certaines manières le rat sauvage. Aujourd'hui, le rat nous donne d'énormes services, ne serait-ce que tout simplement par la recherche médicale. Il faut savoir que 250 000 rats sont sacrifiés tous les ans pour la recherche médicale. Et voilà.
Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir le rat sauvage. Et voilà. Moi, j'avais peut-être une petite question, mais c'est peut-être les choses que vous avez abordées au début et j'ai pas pu être présente au début. Comment ça se fait que le rat il puisse être porteur d'autant de maladies, de virus comparé à d'autres animaux? Déjà, tout simplement par le lieu où il vit. Le rat brun vit classiquement dans nos égouts, donc d'origine, ce n'est pas forcément le lieu rêvé pour l'hygiène, quoi. Et puis après, le rat, effectivement, est ce qu'on appelle un animal réservoir pour certaines maladies, comme la leptospirose. C'est-à-dire que pour cette maladie, il sera un porteur sain. Il va transmettre la bactérie, Leptospira, mais il lui-même n'en sera pas atteint. Effectivement, ça permet une contamination plus large. D'accord, merci. Mais de rien. Alors, on a aussi une question d'Adrien qui dit « Sait-on pour quelles raisons les chercheurs privilégient le rat pour leur recherche médicale? Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec leur nombre de chromosomes ?» Non, il n'y a pas de lien par rapport à leur nombre de chromosomes, il y a un lien par rapport à leur fertilité. Le rat, comme la souris, qui reste le premier animal utilisé dans la recherche médicale, c'est tout simplement parce que ça se reproduit tellement facilement que c'est très facile. Et aussi parce qu'on connaît leur caryotype. L'ADN du rat est parfaitement connu, ce qui permet d'avoir des rats dans la recherche médicale qui ont des particularités en termes de problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on peut faire des rats qui sont atteints d'hypertension, des rats qui sont atteints d'obésité, et on les fait naître comme ça, en fait, directement. Ce qui permet pour la recherche médicale d'avoir directement le modèle qui correspond à ce qu'il recherche. Bonjour, c'était passionnant. Je voulais vous demander, en fait, est-ce qu'il y a eu des problèmes ces dernières années en France? Est-ce qu'il y a eu des épidémies? Pourquoi est-ce qu'on a si peur, finalement, de ça? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, comme vous disiez au début, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire plus de pédagogie, d'autant s'ils arrivent à réguler leur, finalement, s'ils arrivent à s'autoréguler? En fait, je pense que ce sont deux facteurs différents qui vont jouer. D'une part, il y a la méconnaissance, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que le rat va réguler sa population. Et il y a aussi une culture populaire qui s'est créée. C'est très simple, ne serait-ce que toutes les légendes urbaines qui tournent autour des rats. Les rats qui vont grignoter les bébés dans les berceaux, les canettes dans lesquelles il ne faut pas boire parce que sinon on va attraper des maladies parce que les rats sont passés dessus. Il y a toute une culture populaire qui va se tourner autour du rat et qui va en fait renforcer cette idée. Dans l'esprit des gens, voir un museau, ne serait-ce qu'un petit museau passer dans une rue, ils vont imaginer la masse grouillante qu'il y a en dessous d'eux. Et je pense qu'en fait, psychologiquement, il y a un effet délétère qui n'est pas du tout avéré, quoi. Ce n'est pas tant une question d'épidémie ou ce genre de choses, parce qu'en réalité, ne serait-ce que la leptospirose, il y a moins de 150 cas par an, en réalité. Et seulement 10% des cas vont être graves. Et de faire des interventions, par exemple, auprès des enfants dans les écoles, que tout ça puisse changer un peu. En théorie, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est par la pédagogie que les choses changeront. Après, bon, c'est sûr que le rat n'a pas que des effets positifs non plus. Eh bien, il transporte réellement des maladies. Il ne faut pas il ne faut pas manipuler un rat sauvage. C'est un animal sauvage par définition, donc qui peut mordre, qui a ses propres comportements. Mais c'est vrai que, en fait, c'est toute la limite en fait entre le respect qu'on doit à un animal sauvage, qui nous rend quand même d'énormes services, et ne pas non plus le glorifier, quoi. Je m'excuse, une dernière question, mais parce que je me pose cette question depuis très longtemps. Maintenant, on ne le fait plus, plus personne ne jette ses miettes par la fenêtre, mais avant, tout le monde secouait sa nappe et jetait les fins de repas. Restait comme ça, ça ne se produit plus. Est-ce que vous pensez que ça peut être finalement un manque de nourriture et c'est pour cette raison qu'il sortirait plus qu'avant, par exemple? Le rat a toujours été commensal de l'humain, il a toujours été là. On le voit plus maintenant, d'autant plus parce qu'on peut prendre par exemple cet exemple du rat de New York. C'était un rat qui a fait le tour des réseaux sociaux, le tour même des journaux télévisés,
c'était un rat qui transportait une part de pizza dans le métro de New York. En fait, avec cet effet de médiatisation qu'il y a et de surmédiatisation, dès que les gens voient un rat, tout de suite, ils en parlent sur les groupes Facebook de village. Oh là là, achetez du raticide, il faut prévenir la mairie, il y a des rats. Mais en fait, les rats ont toujours été là. C'est juste qu'avant, leur présence était moins médiatisée, on en parlait moins. Mais pour donner une anecdote, une étude très sérieuse a été faite concernant le nombre de rats sauvages à New York. Les gens disent toujours, il y a au moins un rat par habitant à New York. Du coup, des chercheurs se sont emparés très sérieusement de la question et ont commencé à faire des calculs, à capturer des rats, à faire un truc énorme d'une très très grande ampleur. La réalité, c'est qu'il y a à peu près un rat pour 8 habitants à New York. Merci. Alors, du coup, on a une question de Claudie, alors, qui est assez longue, qui dit « Déjà, c'est très intéressant ». Mais concernant la recherche médicale, est-ce normal qu'il soit sacrifié, dans la mesure où cela n'incite pas les scientifiques à rechercher des méthodes substitutives, d'autant qu'il y a des animaux volés, etc., des chiens et des chats, et aussi, elle demande s'ils ont des tiques. Alors oui, ils peuvent avoir des tiques, bien sûr. Concernant la recherche médicale, ça, ce n'est pas vraiment une question qui est dans... mes compétences à moi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas capable de dire si oui ou non le rat peut être substitué, comment, pourquoi. Ce que je sais, c'est que des modèles de substitution existent, qu'ils ont été créés, que la recherche médicale a développé en fait, des codes déontologiques pour les animaux qui sont utilisés dans la recherche. Mais malheureusement, après, ça, je suis... pas dire ce que les chercheurs pensent de ça et comment ça va évoluer. Même si j'espère effectivement, pour ma part, que les animaux soient le moins utilisés possible, quels qu'ils soient. Merci. Ensuite, il y a une question qui risque d'intéresser pas mal de gens. C'est Caroline qui nous demande comment convaincre de ne pas mettre des pièges à rats dans le jardin car ils mangent presque tous les légumes. Ah oui, alors là, ça c'est une question très compliquée. C'est compliqué, effectivement. Oui. Effectivement, c'est un problème. Alors autant on en a parlé, comment lutter contre les rats en intérieur. Dès qu'il est question comme ça de poulailler, de potager, c'est le bonheur des rats. Pour ce qui est de pas mettre de pièges à rats, alors effectivement les pièges à rats c'est plus entre guillemets plus écologique que le reste dans le sens où il n'y a pas de polluants dans la nature. Maintenant niveau éthique c'est quand même terrible. Il est question en fait d'une nasse qui va casser la colonne vertébrale du rat pour le tuer. Les rats meurent rarement sur le coup. C'est brutal, c'est douloureux, c'est terrible. Pour ce qui est d'arriver à les faire partir, là, avec le temps, j'ai testé et fait tester beaucoup de manières de faire fuir les rats en utilisant tous les remèdes de grand-mère que j'ai pu trouver partout, le poivre, telle fleur, tel truc, tel machin, tel bidule, pour voir ce qui pouvait marcher ou ce qui pouvait ne pas marcher auprès de pauvres cobayes que j'ai utilisés pour ça, de pauvres gens qui avaient des rats. Dans les faits... rien n'arrête un rat qui est déterminé. Il y a quelques solutions qui peuvent être envisagées. Déjà, il existe des nasses de capture, en fait. On met un petit bout de nourriture à l'intérieur, de fromage, et le rat rentre dans la nasse, ça se ferme sur lui, on peut aller le libérer plus loin. Sauf que ça a deux problèmes. Déjà, d'une part, on a pu constater que ce sont uniquement les dominés qui se font capturer dans les nasses, et pas les dominants. Donc, on aura, enfin, généralement, si vous marquiez le rat capturé, vous pourriez même constater que c'est souvent le même qui se fait capturer. Et d'autre part, si la colonie est à proximité, vous pouvez toujours aller le relâcher à Tatooine, il reviendra. Quoi. L'autre chose qui est envisageable, c'est peut-être de protéger le potager. Mais alors là, ça signifie de le protéger aussi par en dessous, parce que forcément, les rats peuvent creuser. Et on l'a vu, les rats bruns creusent très bien. Ou sinon, moi, j'ai fait tester quelque chose qui a l'air de marcher, c'est très aléatoire, mais ça semble marcher. Il semble qu'utiliser des poils de chat sur les lieux de passage du rat pourrait fonctionner pour leur faire peur. Tout simplement, en empruntant des poils de chat à quelqu'un qui a un chat, et les mettre sur les lieux où vous pouvez constater qu'il y a du passage, donc typiquement les lieux où il y a des déjections de rats, hein, vous le mettez, et la simple odeur de poils de prédateur peut aider à le faire fuir. Maintenant, c'est très aléatoire et il semble que ça ne fonctionne pas toujours et pas toujours efficace sur la durée. Et après, malheureusement, ça, pour votre potager, je suis désolée, mais ils aiment ça. Et alors, finalement, une question un peu idiote, mais l'été, par exemple, quand on a beaucoup de guêpes qui sont presque familières, comme si elles se transmettaient d'une génération à l'autre,
Et au lieu de les chasser, moi j'ai pris le parti de mettre chaque fois qu'on mange un petit peu pour elles, à l'autre bout de la terrasse. Et c'est incroyable parce que non seulement elles sont habituées, mais elles n'essayent même plus de venir dans notre assiette, si vous voulez. Et je me dis peut-être que donner un peu une petite partie finalement et la réserver aux rats d'un côté, est-ce qu'ils comprendraient pas finalement, vous voyez? Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui le font. Je connais des gens qui ont choisi ce parti-là, de donner sa pitance au rat pour pouvoir arriver à trouver un certain équilibre. Pourquoi pas, en soi, ça ne pose pas de. Enfin, je ne vois pas quel est le problème. Après, je ne sais pas si légalement, déjà, ça ne pose pas un souci. Certains animaux sont considérés comme nuisibles dans certaines villes, c'est comme le pigeon par exemple. Est-ce que le nourrir des rats légalement, si vos voisins vous voient, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes au voisinage? En termes, après, bien sûr, il y a en termes de maladie, c'est-à-dire que si, bien sûr, s'ils sont nourris, ils vont se reproduire. Alors certes, il y a une asymptote, il y a un moment où la reproduction ne se fait plus, mais bon, avant ça, il y aura quand même de la reproduction. Vous allez vous retrouver avec un nombre croissant de rats, ça, il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir l'accepter. Après, oui, tout à fait. Je sais que j'ai étudié pendant très longtemps une colonie de rats que j'avais trouvée, que j'ai observée, et au bout d'un moment, ils étaient familiers à ma seule présence, en fait. Donc, ils me laissaient approcher, ils me laissaient regarder, il n'y avait aucun problème. Le rat n'aura pas de comportement agressif. C'est-à-dire que la légende urbaine du rat qui saute à la carotide, là, ça, c'est des bêtises. Le rat a peur. Son premier mouvement, c'est un mouvement de fuite. Donc, tant que vous l'observez et que vous ne cherchez pas à l'attraper, à le capturer, à le coincer dans un coin, il ne vous attaquera absolument pas. Hein. Alors ensuite, j'ai une question de Véro qui demande si les chats peuvent attraper les maladies des rats. Certaines maladies, oui, bien sûr. Certaines maladies du rat sont transmissibles, sont des zoonoses qui se transmettent à d'autres animaux. C'est le cas par exemple de la leptospirose, qui peut se transmettre et qui peut être extrêmement foudroyante chez les chats et les chiens. Il y a le problème des raticides, c'est-à-dire que si un chat attrape un rat malade, ben, il y a le poison qui peut avoir un effet terrible. Mais il faut savoir d'origine que le chat, malgré ce qu'on peut penser, le chat n'est pas un bon chasseur de rats. Une étude a été faite qui a pu prouver que, en réalité, la plupart des chats avaient peur des rats et ne les chassaient pas. Donc, si le but c'est d'avoir le chat chasseur pour se débarrasser des rats, les 3/4 du temps, ça ne fonctionne pas particulièrement. Et autant le chat va chasser les oiseaux, autant le même chat ne s'approchera pas d'un rat. Ensuite, Caroline qui demande s'il n'y a pas des avantages à avoir des rats dans notre jardin. Des avantages. Alors, certaines théories, je ne sais pas si elles sont validées, certaines théories tendent à penser que là où il y a des rats, il n'y a pas de souris. Donc, déjà, bon, bah, ça peut permettre de ne pas avoir de problème d'invasion de souris. On aura une invasion de rats à la place, mais bon, ça. Hein. Sinon, en termes d'avantages, il y a tout. Bah, on en est toujours sur la même chose en termes de déchets, de saleté humaine, en fait, d'éjection humaine. Le rat va nettoyer les déchets, peut avoir cet intérêt-là. Après, bien sûr, il a un intérêt écologique incontestable, quoi. Quand on a des rats, ben, on a quelque chose, on a un animal qui peut permettre d'en nourrir d'autres, qui entre dans un cycle, quoi. Anne-Marie qui demande si les rats sauvages sont aussi sensibles aux tumeurs que les rats domestiques. Oui. Les rats sauvages sont aussi sensibles aux tumeurs. J'ai pu en observer moi-même. C'est tout aussi affreux. La particularité qu'aura le rat sauvage par rapport à un domestique, c'est qu'ils sont très doués pour cacher leur douleur. Ils vont vivre même avec des tumeurs énormes, des trucs atroces. Ils vont vivre sans montrer de symptômes. Mais effectivement, ils ont des pathologies extrêmement similaires. Ils font des tumeurs. Ils ont des problèmes respiratoires, comme un rat domestique. Eh ben, on est arrivé au bout des questions pour l'instant. Donc, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question. Est-ce que tout ce dont on a parlé pour la connaissance du rat sauvage, c'est des expériences qui ont été faites en laboratoire finalement, ou il y a des personnes qui ont étudié le rat sauvage dans son milieu naturel, disons? Alors, il y a les deux.
Il y a eu des expériences qui ont été faites effectivement en laboratoire. On a aussi observé le rat sauvage en laboratoire. On l'a fait reproduire en laboratoire aussi pour pouvoir mieux le connaître. Et il y a eu des expériences qui ont été faites sur le terrain, notamment cette expérience avec Kaloun dans son enclos géant, où pour reconnaître tous les rats, parce qu'il y en avait des centaines, ils s'amusaient à les tondre. Donc en fait, ils faisaient des dessins à la tondeuse sur chaque rat pour pouvoir les reconnaître et pour pouvoir les étudier. C'est très sympa. Il y avait des rats avec des dessins sur le pelage et chaque fois, ils récupéraient les rats pour les retondre, pour pas que ça repousse, pour pouvoir continuer à les reconnaître. Ça donne des trucs assez chouettes en photo, avec des rats très punk. Mais les deux sont trouvables, tout à fait. D'accord, merci. Du coup, j'ai une dernière question en fait. C'est aussi sur le statut du rat, du coup, légal, des rats sauvages. On a beaucoup d'animaux qui sont protégés par la loi et on n'a pas le droit de déranger dans leur habitat naturel, disons. Donc là, pour le rat, vu que c'est l'animal de laboratoire par excellence, il ne devrait pas y avoir de telles lois. Mais étant donné que c'est dangereux de manipuler un rat sauvage, vous en parliez. Il n'y a rien à ce sujet-là dans la loi, comme quoi on n'aurait pas trop le droit de s'approcher d'un rat sauvage, quoi. A priori, la loi ne parle que de l'interdiction de les relâcher dans la nature, uniquement pour le rat brun, ce n'est pas le cas du rat noir. La loi n'a pas particulièrement légiféré sur le rat. Au niveau des annexes de protection, il est dans l'annexe la plus faible, c'est-à-dire qu'ils peuvent même être maintenus. En réalité, il faut faire des déclarations, bien entendu, mais voilà, la loi ne cherche absolument pas à les protéger d'aucune manière, quoi. Ok. Peut-être tu peux rappeler le nom de ta association pour si des personnes ont plus tard envie de te poser des questions. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'association SMINTEUS, SMINTHEUS, qui est un curieux nom qui, en fait, est issu de la mythologie. C'est Apollon SMINTEUS dans la mythologie grecque et le dieu protecteur des rats. Donc, notre association fait principalement de la pédagogie. N'hésitez pas à poser des questions. Je réponds toujours avec grand plaisir. J'adore parler rats, vous l'avez vu. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Je répondrai à toutes vos questions sans souci. Y compris, je passe beaucoup de temps à aider les gens quand ils ont trouvé des rats sauvages qui ont des difficultés, adultes ou orphelins. Sur le site, il y a une carte de tous les centres de soins acceptant les rats. Tous les centres de soins n'acceptent pas les rats, malheureusement. Certains les refusent, certains pratiquent l'euthanasie systématique de l'animal. Donc, vous trouverez une carte sur les centres de soins. Je les ai moi-même contactés un par un pour leur demander. Donc, vous avez une carte à jour avec les centres de soins qui les acceptent. Si jamais vous êtes dans cette difficulté-là, n'hésitez pas à la contacter. La première réaction, si vous voulez vraiment aider un rat qui est en difficulté, la première réaction que vous devez, c'est de l'apporter à un centre de soins. Ne vous en chargez pas vous-même, c'est compliqué, ça nécessite certaines connaissances, certaines compétences, ça peut être potentiellement dangereux. Donc n'hésitez pas, de toute façon dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter le site, à poser des questions, ce sera avec plaisir que je répondrai. Et pour ce qui est de l'adhésion, c'est 5 euros par an. On fait en tout petit budget parce qu'on n'a pas énormément d'exigences, mais n'hésitez pas si vous voulez soutenir. Et merci. Est-ce que le site, avant de conclure, est-ce que le site c'est bien site.google.com/asso-minteus que je vais le mettre dans le chat? Oui, probablement. Normalement, c'est la seule, donc avec un peu de chance, c'est celle-là. Ça doit être ça. Alors. Ils sont pas acceptés dans les centres médicaux parce qu'ils sont considérés comme des NAC? Alors, le rat domestique est considéré comme un NAC, mais le rat sauvage, non, bien entendu. Pour qu'un animal soit domestique, légalement, il faut que ses deux parents soient eux-mêmes domestiques. Donc, même un rat, ce qu'on appelle dans le jargon, nous, des demi-sauvages, c'est-à-dire une femelle domestique qui a été prise par un rat sauvage, qui peut arriver quand les animaux sont abandonnés dehors, la progéniture n'est déjà pas domestique. Ce sont des rats sauvages. Donc, ce n'est pas vraiment la raison qui pousse les centres de soins à ne pas les accepter. D'une part, il faut des accréditations. Un centre de soins, en fait, pose une liste de tous les animaux qu'il souhaite recueillir. Et certains n'ont tout simplement pas pensé ou pas voulu s'occuper des rats sauvages. Ensuite, c'est souvent des orphelins. Et là, on parle de bébés qui doivent être nourris toutes les 2 heures, nuit et jour. Je l'ai fait, c'est du sport. Et donc, les centres de soins n'ont pas forcément la possibilité de s'occuper des cas comme ça, ni financièrement, ni humainement. C'est très compliqué.
Et certains centres ont forcément les appréhensions classiques concernant les rats, sur le fait que ce soit nuisible, sur le fait aussi que ben, forcément il peut aussi porter atteinte à d'autres espèces animales, notamment les oiseaux. Les ornithologues ne sont pas forcément tous ravis de voir des rats passer. Voilà, il y a plein de raisons qui font que tous les centres de soins ne les acceptent pas. D'accord, mais ce que vous dites, qu'il faut que les deux parents soient domestiques pour que le futur rat soit considéré, ça s'applique que aux rats ou ça s'applique à tous les animaux ? À tous les animaux. D'accord, donc moi j'ai un chien qui vient de Guadeloupe que j'ai adopté à l'SPA qui était dans la rue, il n'est pas considéré comme un chien domestique. Ah, si ses deux parents sont domestiques, si, il faudrait que l'un de ses deux parents soit un loup. Ah oui, d'accord, pardon, d'accord. Ok, d'accord, merci. Mais de rien. Du coup, je viens de demander si on acceptait au centre de sauvegarde de la LPO à Villeveyrac les rats sauvages, et du coup, la réponse est oui, si jamais. Ah, super. Voilà. Je peux même vous dire, je crois qu'on accepte, du coup, on accepte les rats noirs. Merci Amandine. Avec plaisir. Apparemment, il n'y a plus de questions. Je vois que tu as eu beaucoup de remerciements sur le chat. Oui, merci. Voilà, c'était très bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et j'espère que ça s'est vu, que vous l'avez ressenti et que vous l'avez vécu aussi. Ça s'est ressenti, oui, c'était super. Merci beaucoup. Super.